Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un Build Wars en ce doux mercredi. C'est vrai que ça fait deux semaines que je ne vous ai pas proposé de mercredi, donc je me suis dit autant en proposer un et c'est l'occasion de discuter tous ensemble. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo s'il vous plaît, c'est pour ça qu'elle est courte aussi, parce qu'on va discuter, on va parler de choses relativement intéressantes quant à l'avenir de la chaîne et surtout des séries que vous allez pouvoir déguster bien évidemment au fond de votre lit ou en rentrant de cours. Donc c'est une vidéo relativement importante et en plus c'est la première fois que je fais de l'indirect et du direct après. C'est-à-dire qu'au moment des votes, hein, au moment où on va pouvoir juger la création des autres, on repassera en direct. Enfin, hey, c'est du jamais vu sur YouTube, c'est incroyable. N'hésitez pas à kiffer, c'est normal. Si je peux vous régaler, je vous régale. En attendant, il est temps de discuter de la chaîne principale, pas de la secondaire, elle se porte très très bien, la chaîne donc VOD, hein, et vous avez du Rambo Six, CSGO quasi tous les jours avec d'autres jeux, H1Z1, etc., etc. Peu importe, mais on est là pour la chaîne principale parce que j'ai pensé à deux séries, et je vous avoue que mon cœur est partagé, je ne sais pas laquelle vous proposer. Voilà pourquoi votre avis va être très 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 important, et je sais que certains seront satisfaits d'un jeu et pas de l'autre, donc on va faire un sondage, on va être clair, on va faire un sondage et je compte sur vous pour participer dans les commentaires parce que tout peut changer à tout moment. Donc, j'ai prévu bien évidemment un let's play, donc là je vous tease, un let's play sur Dead Rising 4 au mois de décembre. Et en janvier, on attaque un let's play horrifique sur le terrible Resident Evil 7. Pourquoi? Parce que il a l'air assez corsé niveau horrifique, donc on va bien rigoler. En plus, Resident Evil, c'est quand même une de mes séries phares, une de mes séries préférées depuis gosse. Donc, forcément, j'attends le 7 comme jamais. Hein. Pour être honnête avec vous, c'est un des jeux que j'attends le plus à l'heure actuelle. Bref, peu importe, ça, vous vous en foutez et c'est tant mieux. Donc, je vais vous faire un let's play sur Resident Evil 7 et sur Dead Rising 4. Et j'ai pensé à vous proposer, en attendant cette fin d'année, deux let's play. Mais il faut choisir, je ne vais pas faire les deux en même temps, en parallèle de No Man's Sky, parce que n'oubliez pas que deux séries vont revenir. Je vous invite à être là samedi prochain pour le retour d'une série phare de ma chaîne avec des invités juste incroyables, vous allez bien kiffer. Donc, à l'heure actuelle, j'hésite entre Dead Rising premier du nom, qui est ressorti sur PlayStation 4 et Xbox One en HD remasterisé, c'est-à-dire en 1080p 60fps, très agréable. Soit vous faire un let's play sur Dead Rising 1, par contre, attention, il est solo. Ne me demandez pas, ouais, vas-y, refais avec Fufu, refais avec un tel ou autre. Il est entièrement solo, on ne peut pas jouer en coop. Mais je l'avais fait à l'époque, c'est un challenge assez corsé. Hein. Dead Rising 1 est pas forcément... Il est fun, mais il n'est pas facile, il n'est pas évident. J'ai souvenir que j'avais bien galéré sur la fin pour avoir du moins une bonne fin. Mais enfin bon, peu importe, c'est une longue histoire. Donc soit vous proposez un let's play sur Dead Rising 1 détente, histoire qu'on bouffe du zombie à tire-larigot. Soit vous proposez un let's play sur Resident Evil 4, un épisode assez cher à mon cœur parce que je l'avais bien kiffé. Voilà, sur GameCube et PlayStation 2 à l'époque, je l'avais bien arraché. Et je le connais quasi par cœur, donc ça sera un peu plus facile. J'hésite entre ces deux-là, je ne sais pas lequel vous proposer à l'heure actuelle. C'est pour ça que je compte sur vous pour voter. Si aucun des jeux vous plaît, aucun des deux jeux, donc Resident Evil 4 ou Dead Rising, premier du nom, ne vous plaît, les deux sont en remasterisé, 1080, 60fps, blablabla, hein, vous connaissez les bails commerciaux, on n'en a rien à foutre. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous à regarder quoi qu'il arrive. Donc si aucun des deux vous plaît, n'hésitez pas à proposer en commentaire une série sur un jeu. Et si vous avez un max de pouces verts, c'est que forcément les gens veulent me voir vraiment dessus et je le ferai avec régal. On continuera l'aventure spatiale No Man's Sky en parallèle, bien évidemment. Je sais que ça plaît à très peu de personnes, mais moi, j'aime bien pour le moment. Et puis, au pire, ça permettra de faire transition quand No Man's Sky saoulera vous, moi et tous ceux qui le veulent. Donc, votez en description, c'est bien évidemment un sondage entièrement gratuit. Soit on attaque Dead Rising 1 remasterisé HD, soit on attaque Resident Evil 4 en HD. À vous de décider, soit on attaque un autre jeu et dans ces cas-là, je verrai en fonction des pouces verts que vous avez recueillis sur votre commentaire. Je peux aussi vous donner d'ores et déjà rendez-vous samedi qui arrive. Pas samedi demain, hein, parce que vous voyez cette vidéo le vendredi, mais samedi prochain. Pour le retour d'une des deux séries, j'ai déjà enregistré deux épisodes, c'était hyper fou. Donc je vous invite à être là samedi prochain, ça va vraiment être le feu. Et je vous invite à être là mercredi prochain, parce que c'est le retour d'une autre série encore. Je vous avais promis deux séries
qui allaient revenir, eh ben, elles reviennent. Voilà, c'est pour la semaine prochaine et on va vraiment, vraiment s'amuser les potes. Donc, soyez là. On va repasser en direct pour les votes et la fin de cette vidéo. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de voter dans la description. Ça ferait déjà plaisir. Et j'aimerais un maximum de participants pour voir si réellement ça vaut le coup une des deux séries. Histoire de garder ma chaîne principale en vie et vous proposer du contenu intéressant, bien évidemment, en attendant ces futurs jeux qui vont débarquer, Battlefield 1, etc., etc. Donc, je compte sur vous, votez. Ça va vraiment être fou, pardon, j'en perds mon latin. Oui, parce que je parle latin, j'étais latinos. On repasse en direct, je vous fais des bisous. À très bientôt. On repasse donc en direct pour les votes, les amis. On est parti. Le thème était donc Cascade, vous l'avez bien vu. Et je préviens, je suis top 1. Les mecs sont chauds. Alors, pas mal, très sympa. Je vais mettre très bien. Alors, moi, il faut savoir qu'en Build Wars, j'aime pas utiliser une petite partie du grand carré qui nous est fourni. J'aime bien utiliser tout le carré. C'est un défaut parce qu'à chaque fois, je m'avance dans des projets beaucoup trop difficiles. Alors, là, par contre, il n'est pas du tout dans le thème de la cascade, étant donné que la cascade n'existe pas. Il a mis un cube d'eau, malheureusement, c'est pas tombé. RT6 est triste, pour l'instant, c'est dégueulasse. Alors, soit c'est un bug, et dans ces cas-là, je te punis trop, ce qui est possible, parce que l'idée de la petite île flottante, j'aime bien. Mais bon, c'est trop tard, je peux pas changer mon vote, donc désolé, t'as perdu. Ah, oh, damn! Mais c'est ouf ce qu'il a fait. Alors, il a utilisé la baguette magique en mélangeant les textures, c'est pas très difficile, mais à l'heure actuelle, clairement, c'est le mieux fait. C'est le mieux fait, il a fait très très fort, il a mis des petites têtes volantes, des petits trucs chelous avec des ailes et tout, très sympa. C'est dégueulasse, voilà, donc toi tu as perdu d'office, Mister MR Bebo, MR Bebo, ça s'arrête là, RT6 est triste, pour toi Mister B-Boy 45, bah écoute, ça me touche énormément, mais je crois que t'as des lettres qui sont soit effondrées et tombées, soit c'est parti en couille dans ta tête, parce que tu fais des baies dégueulasses et même ton R, il colle pas la route. Oh, une petite cascade, très sympa, il a utilisé tout le terrain. Déjà, j'apprécie. Enfin, il a juste changé la texture du sol. C'est très sympa, intéressant, ma foi. Je vais mettre intéressant. C'est en plus l'idée, encore une fois, de l'île flottante. Il n'y en a pas un qui a utilisé une cascade, entre guillemets, pour le moment réaliste. À part celui qui avait fait un truc de ouf. Voilà, ça, c'est une cascade réaliste. C'est-à-dire que c'est du sable empilé, puis il y a de l'eau qui tombe du sable. Bon, d'où sans doute des nuages. J'en sais rien. Pourquoi du sable? Pourquoi après du béton? J'en sais rien non plus. C'est bof, mais au moins, c'est une cascade un peu réaliste. Il a mis un petit panneau. B-Boy, je te kiffe. Allez, parce que tu fais plaisir, on reste sur ces bof. On reste sur deux points. C'est mieux que un, dis-toi ça, hein. Ton panneau, il t'a sauvé la vie. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, par exemple, parce que c'est une vraie cascade. C'est naturel. Alors, niveau symétrie, je suis un peu une tanche. Mais c'est pas dégueu. Petite plage à l'extérieur, une vraie cascade avec une petite grille pour entretenir le mystère. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Qui sait, hein. On n'en sait rien, justement. C'est une cascade où il a presque utilisé tout l'environnement aussi, hein, un petit peu comme moi, donc ça reste intéressant. En fait, c'est ce que j'ai fait, mais en plus dégueulasse au final, parce que il a utilisé le béton aussi pour surélever le truc. Je me rends compte que ma cascade était dégueulasse, mais le beau jeu a opéré, je me suis quand même mis un 5 parce que ça régale. Voilà, il a gagné, il n'y avait que 8 équipes, 2 personnes avaient quitté, c'est très bien. En tout cas, c'était vraiment ouf ce qu'il a fait, il a donné des idées, et je suis arrivé 3ème sur 8. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, franchement, les gars, je prends, moi, ça me va, ça fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et cette cascade vous a impressionné, vous a donné des petits frissons. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire avec vous. N'oubliez pas de voter dans la description, c'est très important. Il y a des sondages, il faut y aller. C'est pour l'avenir immédiat de la chaîne et puis ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas, j'aime les commentaires et à tantôt tout le monde. Bisous, bisous.